Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se pour une toute nouvelle vidéo sur Kingdom Rush hop frontière. Donc dans cet épisode nous allons jouer ce pirate là, petit pirate. Attends, j'ai même pas vu, mais ok, et voilà, on va jouer à ça. Donc j'espère que pour le moment le jeu vous plaît et que ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on va directement faire cet épisode. Voici le repère des boucaniers. Il n'est pas de meilleur endroit pour trouver un tel ramassis de flibustiers rebelles et d'ignobles pirates, et pour dénicher un équipage capable de voguer sur la mer de cristal. Après avoir graissé quelques pattes peu recommandables, nous avons appris que le seigneur Malagar a embarqué à bord d'un bateau en direction des portes de Naziru. Recruter un équipage devra attendre, par contre, car une flotte ennemie approche dans notre direction. Toute voile dehors, tout le monde sur le pont. Bon, c'est parti. J'espère qu'en attendant le petit let's s'il vous plaît. Artillerie niveau 4, les dwarfs. Alors. Clairement, mettre une dwarf ici, c'est une bonne idée. Je vois bien une deuxième dwarf ici. Alors. Ah, c'est cool. On va se mettre plutôt plus ou moins comme ça. Est-ce qu'il tire lui? Oh, il est pas mal le Kraken. Ce quack. Where is the treasure? Quoique... Attendez, on va recommencer. Ici, la tour d'Oap est une bonne idée. Ici, on va mettre ça. Voilà, comme ça. Ici, on va mettre ça. Enfin, juste un misclic, hein, j'ai un peu le seum. Archers ready? Bullseye! Ahoy, matey! Have at thee! Hoist the colors! Alors, c'est parti. Donc là, nous avons des... On peut tirer au canon ici et on peut engager des matelots, ce qui est plutôt sympa. Comme ça, je me fais un max de blé. Ah.
Attends, fais une petite pause avec le capitaine là. On attend un peu. Je sais pas si c'est vraiment rentable. Ok, on a un petit pirate. Bon, là j'hésite pas. Bah, il pique plutôt bien ce petit pirate, hein. Il fait plutôt bien mal. Alors lui il me semble, voilà, okay, il lance des molotovs, ce qui est pas mal du tout. Le fait qu'il rapporte des golds est vraiment un bonus qui n'est vraiment pas négligeable. Par contre, le Kraken est vraiment OP, hein. C'est vraiment un truc assez ouf. Il l'utilise vraiment assez souvent en fait. Des nouveaux ennemis, les apparitions des sables. Souvent au commandement d'armée des ténèbres, ils laissent une traînée de mort et de décomposition dans leur sillage. Attaque à distance, peut soigner les alliés, faire apparaître des déchus. Je vois le délire. Faire feu avec trois connants puis j'entends à chacun. Ah. Il est pas très très résistant par contre. Ok, il est enfin dead. Okay.
parfait. Ok, c'est un peu la merde. C'est un petit peu la merde. Voilà, balance-moi ton petit kraken. Améliore tous les types de tours basiques niveau 3. Ok, donc là on a une tour très très puissante par contre. Voilà, qui fait de forts impacts. Là, il me faudrait la dwarf, ça serait cool. Je vais essayer d'économiser pour une dwarf. Voilà, la dwarf. Des nouveaux ennemis, les bourreaux, dotés d'une force meurtrière irrésistible, un seul coup de sa hache et c'est la mort rapide assurée. Vitesse faible, santé très élevée, peut exécuter les soldats. Envoie une fourreuse automatique en direction d'un ennemi pour le réduire en poussière. Brûle tous les ennemis à courte portée, un plus 40 bras. Oula. Allez, balance ton putain de kraken là, s'il te plaît. Nice. Allez là. Oh là, on va gagner masse de blé. Ah, plutôt le mettre là, lui. Et notre héros est mort. Scorpion géant. Ok. Clairement pas envie de me faire chier. Be quick or be dead. Ok, parfait. Pour le moment là-haut c'est parfait. Be quick or be dead.
Bon, pour le moment ça se passe très bien. C'est pas mal ça. Allez vas-y mets-moi un feu là s'il te plaît. Voilà un petit feu tranquille posé. On est là posé à la plage. Ça vaut pas ici. Ok ça c'est bien. En vrai ce côté est vraiment safe donc je suis pas vraiment à m'inquiéter j'ai l'impression. Voilà, comme ça là déjà il y a un booster qui est en train de se mettre. Ça m'intéresse pas trop, je vais pas vous mentir. Ça par contre ça m'intéresse ça. Le fait d'avoir des soldats vraiment beaucoup plus performants à ce point, ça me plaît. J'ai des meilleurs soldats ici. Ok. Bon, ça va un peu rien de faire ça, mais c'est pas très grave. Ok, ici c'est trop dur. Alors, ici c'était un beau début, on va dire. Ah,
y a eu un bon début. Il y a eu un bon début, mais maintenant ça a merdé. Alors. Je pense qu'ici aussi il faut une dwarf. Voilà. Ici est dommage, j'ai eu une excellente idée. Voilà, je pense que tout ça c'était bien. Voilà, je pense que tout ça a été bien. Et je pense avoir clairement sous-estimé mes adversaires. Je pense avoir clairement sous-estimé mes adversaires. Que je m'attendais pas au truc qui s'ouvre ici. Ah, ici voilà, je vais remettre deux tours d'archer, c'était bien, c'était le bon délire je trouve. Ici les deux tours d'archer m'ont conquis on va dire. J'ai pas eu besoin de beaucoup plus de toute façon. Ça par contre le Kraken c'est vraiment OP hein. C'est relativement chiant. Ça aurait pas été mieux de mettre un mage ici peut-être. Ça, il faut, voilà, une petite amélioration ici ne fait pas de mal. Je vais commencer à améliorer le la tour. Ça par contre c'est OP as fuck hein. Ah, il me faut la dwarf assez rapidement même. Alors lui il faut qu'on le laisse passer. Enfin qu'on le laisse passer, il faut qu'on prenne le maximum de dégâts possible. Ahoy,
Ok. Je vais le mettre là en attendant. Voilà. Et là maintenant il me faut une dwarf. La dwarf est trop forte, il me faut la dwarf. Ok bon, il est décédé. Alors là il faudra commencer à améliorer ça là-bas. Parce que directement je vais faire. Puisque c'est vrai qu'au final on n'a pas grand chose là-bas. Voilà, mettre une dwarf ici certainement. Voilà, déjà là j'ai une amélioration, ça c'est bien. Ok. Voilà, on a ça déjà, ça c'est bien je pense, avoir ça. Maintenant il me faut ça. C'est parti. Ok, donc là c'est le moment, le fameux moment, The Famous. Ouais, j'arrive à repousser ça. Bon, je pense pas que ça va être méga compliqué, mais bon, ça de son côté, la Tesla fait vraiment le taf. Ok, c'est bon, lui il est terminé. Et du coup j'ai ma deuxième, j'ai mon truc. Nice. Maintenant, ce qui va être important de faire, ce qui va être même très très important de faire, ça va être augmenter ça. Pour en faire un truc beaucoup plus important. Okay. Je pense que vraiment ici il n'y a pas de problème, ça va pas passer. Time for target practice. Ok, bon
Bon, ici je m'inquiète vraiment, mais voilà, ça ne passera pas, je pense. Bon, j'ai pas trop peur, ça va. Alors maintenant. Ok, rien n'est passé ici, ça me fait plaisir. On met le... Voilà, on met ça là, ici. Voilà, parfait. Ici, ça passera pas. On augmente un peu ça, et ça. C'est bien. Là, je vais mettre encore un machin comme ça pour pouvoir augmenter la range. Parce que ici, clairement, il y a deux trucs comme ça. J'ai pas vraiment peur que ça parte en couille, vous voyez. Alors que ici, il n'y a pas vraiment de protection. Tellement pas de protection, je vais rajouter un truc comme ça. Je vais le mettre là. C'est vrai qu'il y a vraiment pas beaucoup de protection. Eux là-bas, jamais ils passent, hein. Aïe aïe. Voilà. Ça lui il tire plus loin. Alors là par contre je me fais plutôt bien ouvrir le cul. Eux ils arrivent mais pourront pas faire grand chose je pense. Alors, si je peux avoir ça deux fois, c'est vraiment le bonheur. Là, il me faut les meilleurs guerriers. Les meilleurs guerriers qui soient, il me faut. Ce qui est totalement normal.
Parce que quand les scorpions, il faut que j'arrive à les déglinguer. Là où ça t'a bien un maximum de pognon. Ah merde, par contre il faut qu'ils attaquent là. Bah oui, Jean Reno. Voilà, un peu de... Alors on va les améliorer au max, écoute. Voilà, améliorer au max. Eux, bon, ils font extrêmement mal du coup. Apparemment c'était la dernière vague. Yes. Ah, enfin bordel de couilles. Bon excusez-moi, j'ai pris un peu de temps, c'est juste qu'en fait j'avais pas compris quel est le truc. Ok, pas de nouveau personnage débloqué. Et on a 4 points de plus. Ah clairement hein, maximum d'or, comme ça je gagne un masse de thunes. 30% d'or, attendez. 10, 20, 30, ok. Ouais, c'était vraiment bien ça. Voilà. 3 points que je vais mettre. Et du coup des capacités spéciales des mages, pas encore capacité spéciale pour moi. Demande des dégâts des météores, réduit le temps de recharge 5 secondes, ça c'est pas mal. Demande la portée d'attaque de l'artillerie, c'est pas mal. Bon, on va arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Et d'ici on se dit à la prochaine vidéo. Bye.